maudite. Yo la confrérie, c'est Fanta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo pour vous dire que c'est la dernière actuellement vidéo où vous m'entendez avec ce micro. Parce que pourquoi ? J'ai acheté un nouveau micro pour le prix quand même assez élevé. Ce n'est plus un casque micro, mais c'est carrément un micro à perche. Du coup, un les bons micros faits spécialement pour le gaming et pour les streams et les vidéos YouTube. Du coup, je commencerai à avoir mon petit setup. Et tout en sachant qu'il y a une fonctionnalité sur PS5 pour capter ces micros-là. PlayStation ont vraiment pensé à tout et ça fait plaisir. Du coup, à partir de prochainement, vous aurez normalement un micro en meilleure qualité avec une meilleure résolution de voix. Tout en sachant que plus tard, je vais aussi du coup investir dans un ordi portable Alienware, un PC gaming. Plus, le PC, ça sera même pas pour jouer le seul jeu vidéo, le seul jeu vidéo que vous verrez en termes de vidéo sur mon PC, ça sera Minecraft. Parce que Minecraft, moi, il faut savoir que j'ai débuté avec les toutes premières versions de Minecraft. Et c'est à l'époque, c'était uniquement sur PC, c'était pas sur console. Du coup là, voilà pourquoi je suis aussi à l'aise à Minecraft au clavier souris, c'est parce que Minecraft j'ai débuté et j'ai encore les bases du clavier souris Minecraft en tête, c'est d'ailleurs pour ça que machin. Alors en parlant de ça aussi, d'ailleurs je voulais revenir dessus, le Splay de FNAF continuera sans Dylan, sans Ninja Fighter Z, pardon. Comme il y a pas mal de suspense en ce moment parce que Ninja Fighter Z ne joue plus beaucoup à la PS4, pourquoi ? Parce qu'il en a ras le cul. Hein, et je le comprends à un moment donné, les jeux qui sortent maintenant sur les consoles PS4, ils sont mal optimisés, tu sens qu'ils n'ont pas envie de créer des jeux dessus. Déjà, je ne sais même si tu n'as pas envie de créer un jeu sur PS4, ne le sors pas. Hein. Et de toute façon, il lui manque 200 balles pour pouvoir acheter la PS5. Alors, si tout va bien, normalement, le mois prochain, je lui donne, et normalement, il pourra s'acheter une PS5. Et il pourra du coup venir directement en vidéo et en stream, et on pourra continuer tout ça. Aussi, du coup, avec ce micro en prime, du coup, vous aurez une meilleure qualité de voix, une meilleure qualité de tout dans les jeux, et ça sera vraiment cool parce que ce micro, malheureusement, faudra aussi que je refasse du coup les réglages. Hein. Il y aura peut-être pas une vidéo dès demain avec le micro parce qu'il faudra que je fasse les réglages et tout. Ça me prendra peut-être quoi, un ou deux jours à tout péter. Ou si j'ai de la chance, si je me démerde bien quelques heures, du coup, vous aurez peut-être une vidéo dans les jours qui suivent. Du coup voilà, c'était pour vous dire ça, le gameplay qui est en fond c'est uniquement du gameplay que j'ai mis au pif pour pouvoir tout simplement pour éviter de parler dans le vent et avoir rien autour, c'est pour ça que j'ai coupé le son. Et en plus, en parlant d'ailleurs, je vous montre l'anecdote de ce gameplay, il faut savoir que j'ai fait des vidéos avec un nouveau venu sur la chaîne qui s'appelle Elio, vous l'avez vu sur les Let's Play de Resident Evil 6. Et il faut savoir que son fantôme m'a littéralement pété les couilles. Hein, c'est devenu un délire entre nous du coup. Et en fait, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo que j'avais enregistrée de base pour l'envoyer. Et vu que c'est la seule actuellement que j'ai dans mes fichiers, du coup, j'ai décidé de la mettre. Et vu qu'on arrive à la fin du truc, je vais commencer à faire l'intro. Du coup, voilà, à partir de demain, vous aurez un nouveau micro. C'est la dernière vidéo actuellement avec ce micro. J'espère que ça vous plaira. C'était Fanta. Ciao tout le monde. Chance, be now. 今目覚め、oh no. Get your voice. 戦う